Salut, tu cherches à augmenter ta visibilité sur LinkedIn. Tu as remarqué que certains types de contenus semblent mieux marcher que d'autres et tu te demandes quoi publier pour maximiser tes résultats. Eh bien, tu es au bon endroit aujourd'hui car je vais te parler de quel type de contenu créer pour avoir une bonne visibilité sur LinkedIn sans compromettre ta crédibilité. Et ce n'est pas tout. Je te partagerai aussi une astuce bonus à la fin, ainsi que deux cadeaux. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à booster ta présence sur LinkedIn tout en restant authentique? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Mais aussi, je fais des recherches en ce moment, toujours d'ailleurs, et je me demandais si tu accepterais de répondre à trois petites questions. J'ai mis le lien vers le petit questionnaire dans la description de cette vidéo. Et si tu pouvais prendre une petite minute pour le compléter, j'apprécierais grandement. Maintenant, j'aimerais te parler non seulement de mon parcours, mais aussi des réussites des indépendants qui ont bénéficié de mon accompagnement. De mon côté, j'ai quitté un CDI de cadre pour devenir consultante indépendante en 2017. Ce changement de cap a été motivé par la naissance de mon fils 2 ans plus tôt et l'envie de créer quelque chose de significatif. Rapidement, j'ai découvert la formule qui m'a permis de décrocher de belles missions avec des entreprises, comme la première à 9 100 euros ou celle à 50 000 euros. Ça m'a donné la liberté de vivre sereinement de mon activité et de réaliser mon rêve de m'installer à New York en 2021. Et la magie ne s'arrête pas là. Mes clients comme Charline, qui a trouvé 7 nouveaux clients en 1 mois, ou Stéphane, qui a décroché 2 belles missions en moins de 30 jours, ou encore Aurélien, qui a réussi à tripler son chiffre d'affaires. Ils ont donc également connu des transformations incroyables grâce à mon programme. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec toi ma méthode pour t'aider à augmenter ta visibilité et renforcer ta crédibilité sur LinkedIn et à attirer les bons prospects sans sacrifier ton intégrité. Prêt à faire de LinkedIn ton allié? Alors, on va commencer. Et si tu cherches une solution personnalisée pour améliorer ton contenu sur LinkedIn, réserve un appel stratégique avec moi. Je te mets le lien sous cette vidéo. Ce sera l'occasion de faire le point ensemble sur ton activité, tes objectifs et tes challenges aussi, et voir si je peux te proposer mon aide. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment optimiser ton contenu pour LinkedIn à travers 3 stratégies clés. Les principes d'un bon contenu, publier au bon moment et adapter le format de ton contenu. Et n'oublie pas de partager ta propre expérience dans les commentaires. J'ai hâte de lire comment tu personnalises ton contenu sur LinkedIn. Mon premier point, les principes d'un bon contenu. Le premier principe à comprendre est que LinkedIn, comme tous les autres réseaux sociaux, a un algorithme qui détermine la visibilité de ton contenu. L'algorithme de LinkedIn favorise le contenu qui génère de l'interaction, comme les commentaires et les partages, plutôt que les simples likes. Le secret ici est donc de créer du contenu qui incite à l'interaction tout en étant authentique et pertinent dans ton domaine. Tu peux le faire en posant des questions ouvertes à la fin de tes publications, en créant des sondages ou même en partageant des expériences diverses qui encouragent le dialogue. Cette méthode t'aidera non seulement à plaire à l'algorithme de LinkedIn, mais aussi à engager tes prospects de manière significative. Deuxième point, publie au bon moment. L'algorithme de LinkedIn prend également en compte le moment où tu publies. Le timing est crucial car il détermine combien de personnes verront ton contenu pendant les premières heures de la publication notamment. Selon plusieurs études, les meilleurs moments pour publier sont en milieu de semaine, généralement entre 10 h et midi. Mais chaque public est différent, donc le meilleur conseil que je puisse te donner est de tester différents créneaux horaires pour voir quand ton audience est la plus engagée. Utilise les statistiques de LinkedIn pour suivre les performances de tes publications et affiner ta stratégie en conséquence pour plaire à la fois à ton audience et à l'algorithme. Troisième point, adapte le format de ton contenu. LinkedIn offre une variété de formats de contenu.
articles, publications, images, vidéos. L'algorithme de LinkedIn semble également favoriser le contenu varié, alors ne te limite pas à un seul format. Par exemple, si tu es à l'aise devant la caméra, intègre des vidéos dans ta stratégie de contenu. Les vidéos ont tendance à créer un lien plus fort avec ces prospects qui ont l'impression de nous connaître avant même de leur avoir parlé de vive voix la première fois. Ce qui peut jouer aussi en ta faveur dans l'algorithme de LinkedIn. Encore une fois, le point clé est d'être authentique. Choisis un format qui te permet de communiquer ton message le plus efficacement possible. Voilà trois stratégies clés pour optimiser ton contenu sur LinkedIn et plaire à la fois aux algorithmes et à tes prospects. J'espère que ces stratégies te seront utiles et t'aideront à construire une présence forte sur la plateforme. J'ai de nombreux clients qui sont passés de presque aucune visibilité à des milliers de vues sur leurs posts grâce à ces principes. Le mieux dans tout ça, c'est qu'ils ont pu le faire tout en restant authentiques et fidèles à eux-mêmes, sans avoir à partager des détails croustillants de leur vie intime, comme on peut le voir parfois sur LinkedIn. De son côté, si tu cherches une manière rapide et efficace d'atteindre tes objectifs sur LinkedIn, je suis là pour t'aider. Mon programme, l'accélérateur LinkedIn, a été conçu pour te donner toutes les clés pour optimiser ton profil et créer du contenu engageant. Imagine si tu pouvais gagner plus de visibilité, de crédibilité, d'opportunités, plutôt que de rester noyé dans la masse. C'est ce que je veux pour toi et c'est ce que je t'aide à mettre en place au sein de l'accélérateur LinkedIn. Je te mets le lien pour réserver un appel stratégique pour le rejoindre dans la description de cette vidéo. Et maintenant, place à l'astuce bonus. Rappelle-toi, l'objectif n'est pas simplement de générer des vues ou de plaire à l'algorithme. Ce qui compte vraiment, c'est de convertir cet engagement en vraie opportunité pour ton activité. Tu veux des demandes entrantes pour tes services, n'est-ce pas ? L'art de transformer une vue en une demande de service ou de collaboration est complexe, mais réalisable. Si tu souhaites apprendre à le faire efficacement, je suis là pour t'aider personnellement au sein de mon programme L'Accélérateur LinkedIn. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Ton soutien m'aide à continuer à produire du contenu gratuit pour toi. À ce sujet, as-tu remarqué toutes les ressources gratuites pour toi dans la description de cette vidéo? Il y a une super masterclass et un guide gratuit pour t'aider à maximiser ton potentiel sur LinkedIn. Et bien sûr, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur LinkedIn qui s'affichent maintenant sur ton écran. À bientôt!